Salut tout le monde, et bienvenue sur Regard Critique et sur cette actual play Donjons et Dragons. Les amis, on est de retour avec l'équipe numéro 1. Nous étions arrêtés à Château Suif et on va pouvoir rejoindre les joueurs. A tout de suite. Hop là. Tac-tac-tac. Hop là. Et bonjour messieurs. Yo. Yo. Voilà. Du coup, je vais vous mettre sur la map au bon endroit. Tac. Donc, messieurs, voilà ce qui est en train de se passer. En fait, Caracas, donc toi, tu étais juste face à, du coup, la grande forteresse de Château Suif. On venait de vous autoriser à entrer. Et au moment où tu commences à t'avancer, tu vois Bodinok qui disparaît. Et derrière toi... Voilà. Et derrière toi, je disais donc, si j'arrive à me retrouver... Apparaître... Caras... Et Myrlène. Ah! Donc toi, Caras, vraiment, tu te retrouves, t'étais à Waterdeep. T'avais dit que t'allais rejoindre tes amis, et d'un seul coup, tu te sens téléporté ici. Ok. Face à Caras. D'argent, tes amis, c'est bien. Et toi, Myrlène, bah Myrlène, toi, t'étais avec Ander, Bran et compagnie. Et pareil, t'étais juste devant Goldgrim, et tu te sens absorbé et apparaître ici. Et vous avez, et donc c'est toi Caracas qui a donc cette espèce de bracelet qui a TP tes amis sans te demander, tu vois. Ah ouais. Et vous faites quoi? Eh, ils sont les autres. On voyage. Et donc vous avez un Drakeel à côté de Caracas qui vous voit apparaître et qui fait prodigieux. Vous faites partie de la bande des aventuriers? Non, on a vu de la lumière, on se dit... À votre avis? Oui, mais où étiez-vous à l'instant? Ils étaient dans ma poche. Voilà, exactement. J'étais... Attends, j'essaie de me remémorer la carte. Plus à l'est. Prodigieux. J'ai aidé d'autres de nos amis. Donc vous avez en fait 5 moines face à cette grande forteresse. Et il y a hop, les portes donc qui se sont ouvertes. Et il y a une avouée qui semble vous attendre. Une avouée? Ouais. Ici. Donc y a, elle semble vous attendre. Elle vous, donc une fois que t'entres Caracas, elle... Je te remercie pour le don que vous avez fait. Écoute. T'explique que sur votre gauche vous aurez accès à la bibliothèque et sur votre droite de quoi vous restaurer. Les chambres sont à l'étage et elle te dit les 10 jours commencent à partir de 7 heures et ce jour. Alors, excusez-moi, est-ce que Caracas, tu pourrais éventuellement m'expliquer ce qui s'est passé? Caracas, 10 jours. Il va dans les cuisines déjà. Et toi, tu suis dans les cuisines. Et toi, bah attends, du coup, Caras, j'imagine. Ah oui, parce que moi, je veux savoir du coup. Je veux qu'il me fasse un petit résumé à sa sauce. Moi, je vais me restaurer. Alors, explique-moi en mangeant en ripaillant. On est arrivé et on a tué un requin. Et du coup, les poissons, ils étaient pas contents. Et j'ai mangé du poisson. Que d'aventure! Ouais. Que d'aventure! Digne d'être conté par les plus grands bardes. Tu vois que donc le Drakeel qui est avec vous, donc il dit bon, je me présente, je m'appelle Fenrir, je suis aussi aventurier. Et je n'ai jamais entendu parler de vous. Bah. C'est normal, j'essaie d'être discret. C'est moi qui ai offert le recueil du coup pour que nous puissions rester ici, enfin en tout cas avoir accès à la bibliothèque. J'ai moi-même ma propre mission.
Je dois aider quelqu'un en échange d'un service. Sachez que. Vous pouvez en dire plus. Disons que je travaille avec Mossad. Bon. Mais Mossad, vous savez, c'est le grand dragon. Son nom d'elle. C'est ça hein. Oui, non, mais je constate que nous en resterons là. C'est pas le dragon d'argent ? C'est effectivement un dragon d'argent. Vous mais voyez, oui vous voyez. Il a des ailes. Lui, oui, il a des ailes. C'est un dragon ancien. Oui, c'est un dragon. Et vous voyez que lui d'ailleurs a des ascendances de dragon d'argent. Donc il vous explique que en gros, en donnant l'ouvrage, en fait, si vous voulez avoir accès à la bibliothèque, il faut donner un ouvrage que Château Suif n'a pas encore. Et en échange de cet ouvrage, vous avez accès à la bibliothèque pendant 10 jours. Et en contrepartie, en fait, vous pouvez rester 10 jours. Par contre, au bout des 10 jours, vous n'aurez plus accès à la bibliothèque et vous ne pourrez plus y avoir accès pendant un mois. Mais si vous voulez avoir accès à la bibliothèque de nouveau, il faut ramener de nouveau un ouvrage. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez ramené, du coup ? Les annales de Carsus. Et ça nous donne accès à toute la bibliothèque. Ça nous donne accès à toute la bibliothèque et surtout j'ai demandé une audience, alors j'imagine que ça pourrait vous être utile, je ne sais pas ce que vous cherchez comme information, mais nous... Enfin, en tout cas, tu vois que l'avoué lui confirme que nous aurons rendez-vous demain avec le tutélaire des grimoires et le premier lecteur. Qui une sont, grande rencontre du coup j'imagine. Une rencontre qui en tout cas moi va me permettre d'avoir les informations que je veux et potentiellement vous aussi. Je ne sais pas pourquoi vous. Enfin, j'ai entendu dire que vous étiez à la recherche d'informations sur un artefact. Je sais pas, j'en sais pas plus. Avant tout, nous avons de toute façon rendez-vous, hein. Nous étions attendus ici. Il est pas là. Ah. Ah oui, j'avais oublié de vous le dire ça. Allez, tu t'étais arrêté au poisson que t'avais mangé. Ouais, je me suis déguisé en chat. J'imagine que vous devez... Pour manger le poisson de Dagult, c'est ouais. Ça c'est ouais. Ça. Ouais, un homme assez peu fréquentable, si vous voulez mon avis. Ah oui, mais... Vous savez... dans la situation, tout aide peut être bonne à prendre. D'ailleurs, quelle est votre situation? Qu'est-ce que vous cherchez comme information exactement? Je vais laisser mes collègues en parler personnellement. Oh mais... Moi je sais pas, c'est les autres qui savaient, moi ils sont partis. Ah si, attends, il faut qu'on retrouve Harpel, c'est ça, hein? Ouais. Faut qu'on retrouve Harpel parce qu'il a un artefact légendaire plus fort que les parchemins Netheril. Alors concernant ça d'ailleurs, j'ai du nouveau. Ah. Ce sera plus la peine de les chercher, je pense. Ah. Ça s'est assez mal passé de leur côté. À mon avis, ils sont pas en forme. Bon. Les Harpel. Ouais, mais Malfort à Harpel. Ouais, y a une armée de ténébreux qui a attaqué les Harpel. Coup carnage. Tout le monde est mort. Eh, y a une cigarette géante sur la table. Je crois que c'est une cuillère. Ah non, c'est un couteau. Ah bah non, moi je parlais de la cuillère, entre les deux plats, enfin, c'est pas tu. Dans c'est tous les cas, de ce que j'ai compris, vous êtes à la recherche d'informations sur un artefact volé. Ouais, il a été volé dans une grotte et... Et il est plus puissant qu'un parchemin d'éther. J'ignore totalement de quoi il pourrait s'agir, vous pourriez peut-être poser la question au tutélaire des grimoires et au premier lecteur, ouais, justement. En tout cas, Je serai là demain aussi, comme je vous dis, j'ai mes propres informations à chercher. Messieurs, vous avez toute la journée, puisqu'il est à peu près midi 13h, donc qu'est-ce que vous voulez faire?
pendant cette journée. Bien, moi, je suis désolé, je vais prendre congé de vous. Je vais me diriger vers la bibliothèque, vu qu'on y a accès pendant 10 jours. Alors, pour aller à la bibliothèque, il faut que tu prennes cette porte-là. Ouais, bah du coup, par contre, je vais juste demander à Madame Lavoué de me conseiller sur tout ce qui est rapport à la féerie, comment y accéder. Elle te dit, entrez, touchez le cristal et vous trouverez tout ce que vous désirez. Ok. Et donc, quand tu ouvres la porte, tu vois effectivement un gros cristal au milieu d'une pièce. Bah, je vais le toucher, hein. Ok. Je vais dire, salut cristal. Tu prends un verre ou... Eh ben, au moment où tu le touches, voilà ce qu'il se passe. En chinois ou chinois ? Alors, attends deux secondes. Hop. Vas-y. J'ai disparu. Clique sur ton token, tu vas arriver l'hôtel. Ah ok, d'accord. Oui, d'accord, ok. Alors, et voilà. Faut que je baisse ça. Donc tu disparais et tu te retrouves dans la bibliothèque. Et tu vois que dans la bibliothèque, il y a des avoués, il y a pas mal de monde. Tac, alors. Tu vois qu'il y a deux gardes... Attends, je suis sur le pont. Ah non, c'est pas là. Excuse-moi, c'est l'inter-26. Ouais, oh, vas-y, t'inquiète pas. Donc tu vois qu'il y a pas mal de monde, il y a des gens qui sont en train d'étudier, il y a des avoués, il y a des gens qui ont l'air un peu plus... un peu mieux habillés, et qui sont donc en train de faire leur recherche. Ben, je vais demander à la première qui se trouve près de moi où se trouve le rayon féerie. Elle te dit ah oui, il faut descendre encore d'un étage, monsieur. Bon, bah c'est parti, hein. Et du coup, je vais descendre d'un étage. D'un étage. Ouais, s'il te plaît. Alors, hop, tac. Merde. Et tu descends d'un étage. Yes. Tu vas me faire un test de perception, s'il te plaît. Ok, attends. Je me mets juste bien. Hop. Attends, je revérifie juste combien j'ai en perception. Je crois que c'était un plus 4. J'ai fait combien déjà? J'ai fait 15. De toute façon, ça suffit. Ouais. Je sais que c'est plus quelque Alors, chose. Tu vois plusieurs choses. Tu vois déjà qu'il y a dans le désavoué qui sont aussi en train de travailler. Tu vois qu'il y a ici. Attends, je retourne sur le jeu. Ouais. Donc des gens qui, pareil, ont l'air dans de belles tenues. Enfin, en tout cas, qui ont l'air vraiment d'être à fond dans leurs études. Et tu penses qu'il pourrait s'agir des grands lecteurs, sachant qu'il y a un... Il y a les grands lecteurs, mais il y a aussi le grand lecteur qui est vraiment le chef de cet ordre. Et tu vois qu'ils sont vraiment en train de se prendre la tête sur des traités, des trucs. Enfin, ils sont en train de discuter entre eux. Mais c'est très pointilleux, c'est très complexe et c'est très pointu. Même toi, t'as du mal, t'es en mode waouh, il me fait mal au crâne rien que de parler. Et tu vois également deux gardes qui sont postés devant un escalier qui a l'air de s'enfoncer dans l'eau. Et tu trouves effectivement le rayon féerie qui doit être quelque part par ici. Et je vais te demander un test du coup d'investigation. Et tu vas me dire combien de temps est-ce que tu prends en fait. Le temps nécessaire. Attends, investigation c'est plus 2. Alors déjà je vais lancer mon truc. Oh non. Et donc tu commences à chercher des ouvrages. Mais en fait. J'ai oublié comment lire. Alors c'est pas que t'oublies comment lire, c'est juste qu'en fait tu sais pas par quel bout prendre le truc en fait. Tu trouves des traités sur la féerie, c'était quoi ta question? Alors moi c'était déjà chercher comment accéder à la féerie. Et en fait vraiment tu trouves plein d'ouvrages mais tu te perds dans ces ouvrages et du coup tu vas prendre toute la journée sans rien vraiment trouver. Oui. En tout cas pas sur ta question. Ouais. Les deux autres, qu'est-ce que vous faites en attendant? Bah moi je mange. Quelle question! Je me restaure. Ok.
Tu vois que lui, Fenrir, va hop, se reposer. Toi, du coup, Karas, qu'est-ce que tu fais pendant que Caracas mange? Ouais, je sais pas, j'essaie de me balader un peu dans les pièces, les observer, regarder s'il y a pas des trucs intéressants, trucs comme ça, quoi. Faire passer le temps, quoi. Ok, après, tu vas voir que dans cette maison, en fait, dans cette... la partie haute de la forteresse, en gros, il n'y a pas grand-chose, surtout des gardes et quelques aventuriers, en fait, à l'étage. Il y a des chambres qui, ont... qui vous ont été, d'ailleurs, attribuées. Et, en fait, vraiment, c'est un peu l'endroit d'où les gens se reposent, selon les aventuriers qui ont ramené, en fait, des ouvrages rares, pardon, peuvent se reposer ici. Et ils ont accès à la bibliothèque par le portail que Myrlène a pris. Et en gros, voilà, c'est vraiment un lieu de repos et d'études. Hein. Il n'y a pas de, de combat, de, c'est vraiment tout est... Tu vois quand même qu'il y a des gardes sur les toits, prêts à se défendre. Et tu captes quand même que les moines et les avoués, ils sont pas si inoffensifs que ça. D'accord. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre dans la journée avant de bah, vous reposer dans la nuit et bah, d'avoir rendez-vous avec... Bah moi qui ai fini, une fois que j'ai fini de manger, je vais aller me promener. Hein. Tu vas te promener. Ouais, je pareil, moi, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas, là. Moi je reste dans mes recherches. T'es où, Caracas? Je te vois plus, putain. J'arrive pas. À double clic sur moi. Ouais, mais ça ne fait pas le TP direct sur toi. T'es où du coup, juste... Comment je peux te montrer? Attends, si je fais ça... Ah ok. Tu vois mon cercle? Je vois ton cercle, donc tu es ok, ici. Bah je vais réduire petit à petit. Ok. Voilà. Donc tu vois toi aussi qu'en fait il y a un aventurier qui est en train d'étudier, de préparer des potions avec l'aide d'une avouée. Ah, je vais regarder comment ils font. Ok. Fais-moi un test d'investigation. Alors, tac, 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 tac. Alors, ah putain, mais le problème c'est que c'est 10 et Caracas en investigation. Ah si, j'ai plus 3 en investigation. Donc ça fait 13. Ok. Alors, tu vois qu'il est en train de préparer... Alors, 32 secondes, c'est ici. Hop. Et c'est ça. Tac. Il est en train de préparer une potion. Une potion de 2. Une huile exactement d'insaisissabilité. Et du coup, tu regardes un petit peu comment il fait et tu auras un avantage. Du coup, tu peux te mettre maîtrise des kits d'herboriste et tu auras un avantage lorsque tu voudras préparer cette potion. Enfin, cette huile. Alors, maîtrise kit d'herboriste. Caractéristiques, ça doit être... C'est sagesse ou intelligence? Sagesse, je suppose. Alors, kit d'herboriste... Je pense que ça doit être sagesse, ouais. Ah non, c'est dextérité. Oh. Ça m'arrange. Ok. Et je vais m'ajouter quelques... Bah, je vais m'ajouter un... Salut, salut. À qui tu dis salut? À la personne qui dit
bien le bonjour. Ah, sur bonjour. Vous comprenez pas non plus. Non, je parle tout seul. Cet homme devient fou. Par contre, il faudra que tu t'achètes un kit d'herboriste, hein, du coup, Cargas. Ah bah oui, je veux bien. Donc on va s'ajouter en capacité. Donc ça va être... potion... Non, c'est de l'huile d'insaisissabilité. Alors ça met un moment quand même à préparer sa potion, donc on va à peu près 2 heures. Hein. Donc on va arriver sur les coups de 15-16 heures. Toi, Karas, tu fais quoi en attendant? Ouais, je sais pas, moi j'aime bien. J'arrive à visiter s'il n'y a pas une armurerie, un truc comme ça, tu vois, vu qu'on a un peu plus de pièces d'or. Alors ça, par contre, il va falloir que tu sors dehors. Alors je réponds juste à la question de la personne. Les maps, ce n'est pas moi qui les fais. Hein. Je les récupère sur Tales Tavern. Donc, d'ailleurs, merci encore une fois aux créateurs, aux mappeurs, aux créateurs de maps qui sont vraiment des fous furieux. Souvent, c'est les maps d'Istaril que je prends. Du coup, tu vas pouvoir arriver en bas. Donc, tu vas. Telspire. Et le site, c'est Telstaver. Donc, tu vas arriver en fait dans un petit bourg. Alors, hop. Attention, tu vas tomber. Voilà, c'est bon. T'es où? T'es là. Donc, tu vas arriver dans un petit bourg. En descendant, en fait, tu vas revenir en fait en ville. Ouais. Et... Par contre, ouais. Ouais, je veux bien que tu zoomes sur lui, Yann. D'ailleurs, au passage, je vais te le mettre sous contrôle. Normalement, c'est déjà fait. Je le mets aussi pour Myrlène, okay. Comme ça, vous le verrez tous les deux. Alpha Animal. Donc, t'arrives dans ce petit bourg. Okay. On s'y ravisse. Hein. Et tu vois donc. Des crieurs qui sont en train de réciter des prophéties. Tu vois ça, tu vois aussi qu'il y a des gardes qui protègent une petite maison. Là ici c'est sûrement un marchand de tapis. Et ici ça va être une espèce pareil de baraque. Mais il n'y a pas vraiment de marchand d'armes en fait. Tu as l'impression que c'est pas vraiment leur fond de commerce. Il y a un petit marché où ils vendent à manger ou des potions. Mais il n'y a pas vraiment de marchand d'armes. Tu vois qu'il y a une espèce de grosse baraque en face de toi. Où t'entends des gens qui boivent un coup, t'entends des rires. C'est vraiment la plus grosse maison du coin et ça a l'air chaleureux. Bon, vas-y, je vais rentrer pour voir. Bah, je vais te TP. Alors, tac. Ça lag. Tac. Donc. Donc tu montes les escaliers, puis au bout d'un moment, t'arrives face à un vieux gnome qui semble faire la cour à une jeune femme. Il fait des tours de passe-passe pour l'impressionner et lance de temps à autre, quelques petites blagues. La jeune femme semble totalement sous le charme. Tu peux me faire un test de perception si tu veux. Test de perception, c'est parti. Hop. Donc ça se passe ici. Alors, hop, plus 4. 5, j'ai fait 5, mais ça me fait échec critique parce que j'ai plus 4. Mais non, c'est le 1 l'échec critique. Tu pourrais. En fait, tu te dis, putain, ça se trouve, c'est un sort. Est-ce que Attends, deux secondes. Ah si, mais si. Tu as fait 1 avec ton dé. Ouais. Voilà, ouais. C'est ça. Ah, donc parce que j'ai plus 4. Okay, c'est ce que je viens de dire, c'est un échec critique. C'est un échec critique, effectivement. Donc, pour toi, il lui a lancé un sort.
C'est pas possible. Il a une sale gueule. Il est. C'est pas possible qu'une jeune femme comme lui, comme elle, soit aussi attirée par un pauvre gnome comme ça. Et très très riche. Ah mais ça te semble louche. Qu'est-ce que tu fais? Mais moi je suis un guerrier, je m'en tape, hein, franchement. Je peux aller lui parler pour lui dire ouais comment il fait, mais franchement je m'en fous de ces trucs là. Mon voilà. Délire, c'est la quête. Il se tourne vers toi. Donc il te repère, il s'approche de toi. Il fait oh, un confrère aventurier. Comme tu réponds pas, il te fait oh, vous avez l'air d'être un grand timide, vous. Je m'appelle Igmond Marbu, grand ensorceleur au service des petites gens. Bon, top. Ça, c'est clair au moins. Ah, bah, ah ouais, non, des sorts. Vous êtes vachement sociable, les drakides. On m'avait dit que vous étiez un peu froid, mais bon, là. Je peux vous payer un verre. Je sais pas, je le sens pas tout ça et je me. Donc tu t'en bats les couilles. Non. Ouais, je m'en bats clairement les couilles. Ok. Bah du coup vu que tu pars comme ça, il fait. Bon. Eh ben dis donc. Et puis il retourne vers la jeune femme. Qu'est-ce que je disais? Donc t'ouvres la porte de l'auberge. Tac. Entre à l'intérieur et tu vois qu'il y a un homme qui a l'air d'être un magicien qui tient l'auberge, qui fait bienvenue au foyer. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, franchement, je lui dis, je suis là de passage, j'explore. Je tue le temps. Vous tuez le temps, très bien. Bah écoutez, bienvenue au foyer. En haut, vous avez une carte de Férune si vous voulez vous orienter avec vos compères. En bas, il y a la taverne. Bienvenue à Château Suif. Si vous voulez une chambre, okay. N'hésitez pas. Ok. Tu fais quoi? Tu vois qu'il y a un escalier qui a l'air de monter vers un étage. Je prends l'escalier, je vais monter. Okay. Donc tu montes à l'étage. Et en montant, hop là. Tu vois un bel homme à la chevelure blonde qui se tient au-dessus d'une carte. Il se tourne vers toi, tu vois qu'il a les yeux d'un blanc immaculé. D'accord, il a les yeux révulsés alors? Il a les yeux tout blancs. Comme s'il avait. Y a pas. Tu vois okay. Que ses yeux sont blancs. Tout simple, tout court. En fait. Pas de pupille quoi. D'accord. Ah! Vous voilà enfin. J'ai failli attendre. What? Hein? Vous avez la clé? Non, j'ai pas de clé, j'ai rien. C'est fâcheux. Cette clé a une importance capitale pour la suite des événements. Comment allons-nous faire? Vous devez retrouver cette clé. Tu piges rien à ce qu'il te dit, hein, mais il a l'air sûr de lui, il a l'air de savoir qui tu es, et il te dit ça. Ouais, mais bon, pour le tournant des événements, quoi, enfin. Je dis rien, moi. Je sais pas ce qu'il veut, c'est. Enfin, qu'il m'explique, ouais, mais lui, il m'explique un peu, quoi, ce moment. Je ne peux pas vous en dire plus. Fais-moi un test d'arc. De religion, par contre, s'il te plaît. Combien? 13. Ok. Tu vois qu'il s'agit d'un Deva.
Donc un Deva, en gros, c'est un espèce d'ange. D'accord. Alors attends, petit toc. Donc tu sais que. T'as fait 13. Hein. Donc les Devas sont des anges qui jouent souvent le rôle de messager divin ou d'agent envoyé sur le plan matériel. La gisombre ou la féerie où ils adoptent une forme appropriée au royaume où se déroule leur mission. En fait, tu vois que c'est des anges et qui prennent en fait une, l'apparence du royaume où ils vont. Donc là, il a pris l'apparence d'un humain, mais. C'est un céleste. C'est pas forcément l'humain, quoi. C'est, okay. C'est pas un humain, en fait. C'est un céleste qui a pris l'apparence d'un humain. Et en fait, c'est souvent envoyé comme une espèce de messager. Donc lui, il a l'air de savoir ce qu'il dit, mais. Moi, je bite rien, quoi. Enfin... Toi, tu bites rien. Fais-moi un test de. Perception de nouveau. 9. Alors, tu vas juste entendre un léger cri à l'extérieur. Un léger cri à l'extérieur. Ouais, comme si comme s'il y avait une altercation. Je voulais voir. Alors, tu peux voir par la fenêtre et. En fait, t'as juste le temps, en regardant par la fenêtre, tu vois juste quelqu'un qui s'effondre par terre et quelqu'un qui court. Et si tu vas voir, du coup, tu descends. Ouais. C'est un peu de descendre, sinon je vais le faire. Ouais, il y a beaucoup d'étages. Ouais, attends, bien, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Hop là. Ouais, super. Et donc, en descendant en bas, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est au sol et qui a l'air mort. Et tu vois la jeune femme. D'accord. Tu vois une jeune femme en fait qui était au marché qui est en mode. Il y a un alphelin qui est arrivé par derrière. Il s'est fait poignarder. Il lui a pris quelque chose, il s'est enfui. Bon. Je suis pas inspecteur, je suis pas enquêteur, mais ouais, ok. Bon, moi je sais pas trop quoi faire, hein. Qu'est-ce que je fasse ? En attendant, donc tout ça se passe pour l'instant, Myrlène, donc toi tu continues tes études. On va tout doucement arriver en fin de journée. Hop, donc Caracas et Caras, qu'est-ce que vous faites en attendant ? Donc là on arrive en fin de journée. Donc. Bah pour moi là, Caracas il est en train de... Là il vient de finir du coup d'apprendre un petit peu comment faire la potion. Ok, alors attends, j'essaie juste de repérer où je suis par rapport à... Plus bas. Ah, trouvé, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu vouloir faire? Ah, y'a plus personne ici là? Où ça? Attends, c'est peut-être mon... Oh, ils sont partis, ok. Qu'est-ce que j'ai bien pu vouloir faire? Bah techniquement, j'ai mangé, j'ai appris un truc. Bah ouais, je vais partir, je vais être parti me promener en fait. Donc logiquement, j'imagine que je vais atterrir. Je pense que c'est un petit peu du metagaming, mais. En me baladant, je vais tomber sur Caras. Hein. Alors, je vais juste me faire un petit test de perception, hein, s'il te plaît. Alors. Réussite critique. Alors, Caracas, je vais te TP. Alors. Caracas. Donc, pareil, tu arrives au niveau du centre-ville. Pas du centre-ville, en tout cas, du petit bourg. Mmh. Et tu vois. Un alphelin en fait qui a l'air de courir et d'entrer dans cette maison là. Elle est où? J'ai pas vu. Ah, ici? Ouais. Donc il passe par le sous-sol, donc il passe par là, il y a une porte en bas. Mm-hmm. Et tu repères juste ça, tu te dis juste. Bizarre parce qu'en fait vraiment il est un peu pressé, il est en mode. Il regarde un peu derrière, à droite, à gauche, tu vois, et puis. Il se glisse à l'intérieur. Ah, je vais foncer derrière.
C'est il est où je suis là? Ouais, c'est ça. Si, je fonce derrière. Alors, t'ouvres la porte, hein? Ouais, ouais. Discrètement ou en mode... Ah non, direct. Ok. Donc, au moment où... Merde, il est où? Au moment où t'ouvres la porte, j'ai perdu mon putain de token. Il est tombé. Il est tombé. Il a disparu. Et merde. Donc, tu vois qu'il y a... Excuse-moi, parce que là il y a trop de couches, c'est l'enfer un peu cette map. On va faire ça, on va faire comme ça. On va faire comme ça, Alpha là. Donc tu vois cette espèce d'alphe, enfin cet alphelin qui voilà. Je le vois pas. Deux secondes. Qui... Alors attends, putain merde, mais il est où mon inter? Alors ça c'est incroyable. Donc, j'imagine que c'est la 21. Ah si, je le vois. Pardon. C'est bon, je l'ai. Donc voilà, parce que tu as un tiflin qui a l'air d'attendre son compagnon. Donc le petit alpha entre à l'intérieur et ils ont l'air d'être sur le départ. Tu vois qu'il y a une espèce de trappe qui a l'air de partir en bas et qu'il y a un bateau. Au moment où tu entres, donc tu as le tiflin qui se tourne vers toi qui fait « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Rends-moi ça, sale voleur! Tu vois que l'alphelin est en mode. Mais j'ai rien volé! C'est à moi! Le tiflin se tourne vers toi, s'avance, fait. Vous devriez peut-être vous occuper de vos affaires, vous, non? C'est à moi! Casse-toi! Bah le tiflin va faire ce qu'il a fait. Hop. Tu vois que au moment où tu te montres un peu agressif, il donne un coup de main. Il y a la porte qui se ferme. Ah. Et il y a un élémentaire de feu qui apparaît. Oh. Est-ce qu'on peut trouver un arrangement ou est-ce qu'on vous crame sur place? Non mais à la base je voulais jouer à chat moi. Eh ben t'as trouvé le chat. Miaou. Il se tourne vers son pote, il fait on peut pas le laisser partir. Au moment où il dit ça, je me claque un sort d'invisibilité. Ok, donc tu claques un sort d'invisibilité, donc tu es invisible. Tu vois que le tiflin fait on part maintenant, vite! Et il demande à l'élémentaire de cramer en fait tout ce qu'il y a autour de lui. Je vois pas l'élémentaire par contre. Bah, pourtant il est gros, hein. Il est juste là. Ok, non, bah c'est moi alors, c'est mes niveaux. Non, je le vois vraiment pas. Donc à mon avis, il doit y avoir un truc avec tes couches. Je le vois pas non plus. Ah si, putain, ok. Ah, je le vois, okay. Ouais. Je l'ai vu popper et redisparaître. C'est compliqué là. Donc tu vois l'alphelin qui commence à se diriger vers le bateau. Fais-moi un test de perception. Euh, 13. Tu vois juste un morceau de clé dépassé. Oh, je vais essayer de lui voler la clé. Escamotage. Ah putain, 15. Heureusement que t'as des putains de caractères.
15, t'arrives pile poil à attraper la clé et tu vois la maison qui commence à brûler pendant que les deux sont en train de descendre en bas et de monter dans le bateau. Ok, Oh putain, y'a pas de fenêtre. Ah si, mais elle donne sur la mer. Ouais. Tu vois qu'il y a un jeune alphelin ici qui voit tout ce qui se passe et qui commence à se barrer, mais la porte ici a l'air fermée à clé. Ok, Bah je vais foncer dans sa direction. Ok. Du coup je vais crier pousse-toi. Bah il se pousse hein, de toute façon il a peur. Et je vais accrocher la serrure. Escamotage. 15. Allez, encore une fois, t'as de la chance d'avoir des putains de G. Bah, c'est... J'ai fait un 2, c'est pas un putain de G. Non, mais d'avoir des putains de stats, je veux dire, là-dedans. C'est pas de la chance, ça, c'est de la création de perso. Et du coup, t'ouvres la porte pendant que la maison est en train de prendre feu. Le temps qu'il se passe tout ça, du coup, vous allez pouvoir vous retrouver, les gars, parce qu'il commence à faire nuit, donc je vais vous retaper dans la chambre. Donc on vous a mis à disposition une chambre. Donne-moi des sous! À qui tu parles? Bah, au petit tiflin qui lui a sauvé la vie. Fais-moi un test de persuasion. Pata au plomo. 12. Il va te passer deux pièces d'or. Allez. Du coup. T'as... Sale pauvre! Non, je rigole. Vous vous retrouvez le soir. Dans la chambre si vous voulez changer sur votre journée. Ouais, moi je veux bien, ouais. Merde, c'est bah, du coup, je veux leur. Bah, expliquer après bonjour. Ils m'entendent là, du coup, on est ensemble ? Ouais, vous êtes ensemble dans la chambre. Ok. Bah, écoutez, moi je leur explique. Bah, voilà, les gars, il y a un alphelin apparemment qui a buté quelqu'un. Et j'ai entendu ça, je suis sorti. Et puis avant, je suis tombé sur un mec bizarre qui me demandait s'il fallait une clé pour continuer l'aventure. Alors, j'ai rien. Et moi, j'ai trouvé une clé. T'as trouvé une clé? Ouais. Dans la poche d'un alphelin. Bah écoute, pas bien, parce que franchement, je pense que dans ce cas-là, faudra peut-être l'amener au mec bizarre là, qui m'a demandé la clé, parce que j'ai rien compris ce qu'il m'a dit. Moi. Et toi, Myrlène, t'as passé la journée à étudier, mais tu n'as pas trouvé beaucoup d'informations. Enfin, tu n'as pas trouvé de portail, en tout cas, sur la féerie. Par contre, t'as appris quand même certaines choses. T'as appris que, en gros, en féerie, si tu quittes la féerie, en fait, petit à petit, tu vas oublier que tu y as été. Les souvenirs de féerie, en fait, disparaissent quand tu reviens sur le plan matériel. T'es là, Valentin? Ah. On a perdu Valentin. Perdu. Et heureux? Oh! Il doit avoir un problème de micro, je pense. Ouais. Allô, allô? Le micro, il marche plus. Putain, c'est quoi ce bordel? Allô? Ah, ça y est, on t'entend. Ça y est, on t'entend. Sans déconner, Discord, ça va faire péter un câble en vrai. Du coup, t'as entendu ce qu'on a dit ou pas? Ah oui, oui, c'est vous qui m'entendiez pas. Ok. D'accord, ok. Du coup, je disais, non, bah. Même si j'oublie, au moins, mes affaires ont été réglées une fois que j'y serai allé en ferry. Ok. Du Par coup, contre, je partage pas l'objet de mes recherches. Hein. Je recherche juste dans mon coin. Du coup, Caracas, est-ce que toi t'es chaud pour aller donner la clé à au mec bizarre là? Bah oui, de toute façon je sais pas ce qu'elle ouvre. Donc je sais pas. Ils ont foutu le feu aussi hein, ils ont foutu le feu les méchants. D'ailleurs au passage tu vois, avant de partir, tu vois que les gardes sont intervenus, hein, ils ont éteint le feu. Et du coup. T'as quand même eu quelques informations sur ce qui s'est passé.
Donc tu sais qu'en fait, le Tiflin, c'est un certain Casadus, qui est assez connu hein, dans la région. C'est un... Enfin, dans la région. En tout cas, il y a des gens qui ont entendu parler de lui. C'est un nécro... Enfin, c'est pas un nécromancien, c'est un warlock. Ouais. C'est un warlock. Un occultiste. Un occultiste, merci. Oui, et son compagnon, le petit alphelin, semble s'appeler Riax, qui est un voleur du coin aussi, qui est assez connu. Tu as appris qu'en fait, ils ont soudoyé les alphelins qui vivaient dans cette maison pour en fait leur louer leur cave. Et d'accord. Donc, ils étaient à la recherche de quelque chose que tu as récupéré parce que c'est et eux se sont enfuis en bateau et le bateau tu entends des trucs de pirates et juste tu as repéré une chose aussi c'est que lorsque l'élémentaire est apparu c'était pas un élémentaire de feu enfin classique c'était un myrmidon il avait une épée un bouclier c'était un vrai guerrier élémentaire de feu ah ouais donc ouais c'est pas un petit joueur le voilà, tu peux en déduire que finalement c'est pas un petit joueur. Et que t'as eu chaud au cul. Par contre, vous parliez d'aller donner une clé à un gars qu'on connaît pas du tout. Est-ce que c'est une bonne idée, vous pensez? Faut lui vendre. Je reformule. Est-ce que c'est une bonne idée d'apporter une clé à quelqu'un que vous connaissez pas? On peut lui dire qu'on l'a et déjà on peut avoir plus sur sa quête, déjà pour un premier temps. Mais de toute façon, c'est pas pour nous. Si c'est quelqu'un de dangereux qui sait que vous avez la clé, il peut vous faire mal. Vous avez pas l'air spécialement dangereux. Mais s'il l'est, un Deva pas dangereux. Oh bordel. Après, tu nous as pas dit que c'était un Deva, remarque, non, je suis pas au courant. Ah oui, c'est pour ça, moi, je sais juste que. Non, mais s'il est pas dangereux et qu'il a des sous, et bah. Moi, je lui vends la clé. Est-ce qu'on ferait pas mieux d'en parler. Je sais pas, par exemple, demain, à notre rendez-vous. Si tu veux, on peut faire ça. Ok. Je pense qu'il faudrait peut-être se méfier des. Des gens étranges qu'on rencontre qui nous demandent des clés, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok. Du coup, sur ces belles paroles, et ben, vous vous reposez. Et le jour se lève. Et on vous invite à rejoindre le grand tutélaire. Enfin, le tutélaire des grimoires et le grand lecteur. Putain de merde. Hop là. Ouh, les bugs. Alors, je pense que ouais, le fait que la map soit grande et chargée, ça doit pas aider, mais. Ouais, je pense aussi. Oh la vache, ouais, non, là c'est terrible. Hein. C'est okay. Déjà pour trouver les personnages, ça peut être assez compliqué en vrai. Non mais surtout, en fait, j'ai des problèmes pour rentrer dans les bâtiments. Ah non, c'est parce que les portes sont fermées, bah oui. Si toutes les portes sont fermées, on peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est logique. Hop. Donc faudrait que tu téléportes, nos persos devant le grand tutélaire, que je puisse les. Et je vous ai ouvert la porte au passage. Alors normalement, il est où Caracas? Hop là, faut que je descende de quelques niveaux, je suppose. Là, je crois qu'on est pas mal. Ouais, trouvé. C'est bon, je vous ai attrapé. Et donc, vous avez Fenrir qui vous attend dans une espèce de grande pièce. Avec deux hommes, un drakeïde et un humain. Il est où Fenrir, je crois pas. Ah oui, derrière, ok, pardon. Et ouais, on vous invite allons-y. À rejoindre dans cette petite pièce. Vous avez donc Gréaror Alzib, le tutélaire des grimoires, ainsi que Skoda Varnester, le premier lecteur. Donc, il s'adresse à vous. Nous nous retrouvons très rarement dans la même pièce, Gréaror et moi-même. Mais l'ouvrage que vous avez rapporté nous a intrigués.
Quel savoir mérite-t-il que vous nous fassiez don d'un tel trésor ? Fenrir se met dans un coin et dit « Je vous laisse poser vos questions, je poserai les miennes ensuite. » Par où commencer ? On parlerait pas de d'Agult, peut-être ? De toute façon, là, on compte tous sur toi, là. Ça va être problématique, alors. déjà, peut-être, parlons de la rencontre de Karas hier. Bah, c'est ce que je voulais dire, ouais. Vas-y, exprime-toi. Nous vous écoutons, messieurs. Nous sommes là pour vous, tu vois que... D'ailleurs, au passage, il y a donc deux golems qui ferment les portes. Ah non, pas encore ! N'ayez crainte, c'est juste que nous n'aimons pas que le savoir se transmette trop rapidement, voyez-vous. On préfère garder ça pour nous. Non, parce que hier, ils ont essayé de me tuer après avoir fermé la porte. Hein. Oui, on a eu des échos comme quoi il y avait eu un vol. Et incendie. Ils ont mis le feu et ils voulaient me cramer dedans. Oui, du coup, je me suis vengé. Cassadius est assez connu dans la région pour ses méfaits, mais nous ne pensions pas qu'il oserait s'introduire à Château Suif, mais bravo à vous si vous avez réussi à le faire fuir. Je lui ai volé la clé. Tu vois qu'ils se regardent, ils font « Très bien, bravo à vous. » Mais tu sais pas ce qu'elle sert à la clé, t'es un grand magicien toi, hein? En parlant de clé, ouais. Justement... Ouais, à propos de ça, si je peux lui poser une question. Ils vous écoutent, hein, ils sont là, ils vous écoutent. Ouais, du coup, bah moi, j'ai un personnage un peu bizarre, apparemment un dévin, qui m'aurait demandé une clé. Si un dévin vous a demandé une clé, c'est que vous avez un rôle à jouer dans le destin. Vous savez, les dévins sont des messagers, hein. Ça se trouve, même lui, c'est pas ce que c'est cette fameuse clé, et c'est juste que cette clé doit se trouver à un certain endroit, à un certain moment, selon les dieux, ou les forces du bien. Ça, après, nous ne sommes pas des clercs. Du coup, il serait bon de lui remettre, ou ce serait plutôt dangereux de lui remettre pour vous ? Ça dépend si vous faites confiance au destin ou pas. Si vous faites confiance aux divinités. Pas plus que ça, franchement. Eh ben, gardez cette clé. Je suis indécis là-dessus sur la question, je sais ça pas se trouve, si... Ça se trouve, le fait de la garder, c'est ce qu'il voulait, aussi. Peut-être. Si ça se trouve, c'est je pas la idée, c'est pour ça que je vous pose la question. Bon, bah en tout cas, ils peuvent pas nous aider sur la clé. En effet. Et c'est quoi un Deva ? Un Deva, c'est un ange qui joue un rôle de messager divin. D'après la légende, certains anges prennent la forme de mortels pendant de nombreuses années pour aider les gens au cœur bon et leur donner espoir et courage. Ils peuvent adopter n'importe quelle forme, hein, mais généralement ils préfèrent se montrer sous la forme humanoïde ou d'animaux. Ah, je pourrais être un Deva alors ? Vous pourriez. Normalement, ce sont de belles créatures humanoïdes à la peau argent. Je suis magnifique ! Comme les dragons. Généralement, les Devas, les Devas obéissent à des Solars. Qui sont l'incarnation de la puissance et de la gloire des forces du bien et des dieux. Ah, comme Bahamut. Donc ça reste une bonne personne, du coup, normalement, Deva. S'il n'est pas corrompu, oui. D'accord. Ah, parce qu'il peut être corrompu. Bien sûr. Un ange déchu. D'accord. Un ange déchu. Bah, Asmodée est un ange déchu. Hein. Et vous voyez, c'est le roi des enfers. Ok, ok. Oh, mais ouais. Je prends note, Zariel aussi était un. Bon. Zariel aussi était une ange. Hein. Maintenant, elle apparaît. C'est une archidiablesse. Hein. Bah, c'est pas trop ce qu'on va faire avec cette petite clé. Hein. T'as une idée, toi, Myrlène ? Spécialement, non. S'il est super puissant, il doit avoir beaucoup d'argent. Vendons-lui la clé.
Il est super puissant, il peut nous casser la gueule. C'est ça. Mais non. Enfin, lui dérange pas, à moi en tout cas. Vous voyez que Fenrir a un petit message, il le donne à... Il le donne au... Il le donne à Grey Aurore, qui l'ouvre, qui fait... C'est un message d'Agult. Et justement, du coup, on avait rendez-vous avec lui. Tu vois mais que... a priori, il n'est pas là. Il a l'air de dire... Il lui a demandé de venir. Ce qui... il a l'air de nous poser une question. Donc, par votre... En tout cas, pour vous donner cette information, par rapport à un certain artefact qui se trouverait dans une... qui se serait trouvé dans une grotte. Dans une grotte, oui. Alors, nous, j'ai de mémoire certains ouvrages qui parlent de ça, mais ça se trouve dans les sous-sols. Et si, donc, ça ne peut se trouver que dans les sous-sols de la forteresse. On peut vous laisser passer, hein, on peut vous laisser y aller. Et bon, en ce moment, ils sont un peu immergés, donc il faudra peut-être un peu nager au début. Mais le vrai problème, c'est que vous devrez affronter le gardien. Et tu vois qu'à ce, au moment où il dit le gardien, t'as Fenrir qui dit je suis justement là pour aider le gardien. Ils regardent quoi ensemble, non, ils font... Mais vous voulez aider Myrim? Tu vois du coup Fenrir qui fait oui je suis, c'est ma mission. Je suis là pour aider une amie à Mossad. Il s'agit de Myrim et je suis là pour la délivrer. Bien des gens ont essayé de libérer Myrim, mais jamais personne n'a réussi. Quoi qu'il en soit, Myrim vous attaquera si vous entrez directement comme ça. Si vous n'avez pas un cadeau pour elle, ça m'étonnerait qu'elle vous laisse passer. On peut lui donner un poisson ? Qu'est-ce qu'il faudrait comme cadeau ? Il faudrait un cadeau qui en vaille la peine pour elle. Deux poissons ? Non, je pense que Myrim... Qu'est-ce que... Quoi elle a besoin? Vous savez de quoi elle a besoin ou pas? Je pense qu'un traité... Quoi elle a besoin? Un traité de perspicacité pourrait l'intéresser. Lorsqu'elle a attaqué Château Suif à l'époque, elle cherchait justement des traités de perspicacité. Ces traités sont extrêmement rares. Il y en a très peu. Nous n'en avons plus ici d'ailleurs. Mais il y a de cela 1500 ans avant que l'archimage Torf ne la lie pour l'éternité à la forteresse. Elle cherchait des traités de perspicacité. Nous avons entendu des rumeurs comme quoi l'un de ces traités se trouverait dans un donjon. Mais ce n'est pas la porte à côté. De toute façon, moi, si je trouverai un traité de perspicacité, je vais le lire. Si vous le lisez, il n'y est plus du tout utile. Hein. On va éviter. À moi. Ce traité pourrait se trouver dans le donjon de fer. Myrlène, toi, tu sais que le donjon de fer, ça se trouve au niveau des îles Moonshine. Ouais. Vous pouvez aussi tenter d'aller directement voir Myrim, mais si vous voulez affronter un dragon fantôme en colère... Alors moi, personnellement, non. Mais il est où? Je vois pas Fenrir. Il est juste à côté de toi, pourtant. Juste là. Ouais, je le vois pas non plus, mais bon, du coup, je suis pas. Ah, le blanc. Il était là. Ah, c'est bon, il a popé là. Mais tu veux le libérer, mais du coup, peut-être qu'on n'a pas besoin de se battre si on va avec toi, non? Déjà, pour la libérer, il faudrait déjà que j'arrive à lui parler. J'ai commencé à travailler un petit peu sur des techniques potentiellement pour la libérer, mais je vais devoir continuer à travailler, donc je pense rester les 10 jours ici, enfin les 9 qui nous restent, et ensuite j'irai chercher un ouvrage pour pouvoir nous permettre de nouveau d'entrer à Château Suif. Peut-être pourriez-vous ramener ce traité. Si nous lui confions le traité, on pourrait discuter avec elle. Là, le problème c'est que si on n'a rien en fait à lui donner, ça va être un combat. C'est bon, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà affronté un dragon, mais un dragon fantôme, c'est encore pire. Ouais, mais non, mais les dragons, faut pas les affronter. Hein.
Bah, il vaut mieux éviter, effectivement. Qu'est-ce que t'en penses, Merlin? Toi, tu veux aller chercher le parchemin ou quoi? Quand j'aurai mes 5 têtes, ouais, on fera ça. Oui. Oui, ce serait plutôt bien de se diriger vers ces îles. Ouais. Pour aller les chercher. Mais là, on a 10 jours à Château Suif. 9. Faut faire des trucs. Hop. Faut 9. Moi, j'ai envie d'aller à la bibliothèque pour. Non. J'ai envie de me promener. En gros, les gars, comment ça va se passer? J'ai envie de me faire des amis, moi. Du coup, moi, je voudrais demander. Me donner des informations sur comment accéder à la féerie. Ouais, donc, une question par jour avec un test d'investigation. Donc, vous avez 9 questions potentielles, les gars. Okay. Et du coup, les tests d'investigation. Donc, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, comment accéder à la féerie pour moi? Alors, vas-y, fais-moi ton test d'investigation. 20. 20? Enfin, 18 plus 2. 18 plus 2, 20. Donc, tu vas trouver pas mal d'ouvrages en fait sur la féerie, donc où il y a des passages, hein, il y a beaucoup de passages en fait qui mènent à la féerie, dont tu sais que il y a des passages sur les îles Moonshae. Ah. Tu sais que le passage le plus connu des îles, ça se trouve sur l'île. Alors attention, je reprends mes notes. Pop, pop, pop. Alors, les îles Moonshae. Hop, voilà. Ça se trouverait sur l'île de Gwynef, donc qui est l'île centrale, dans la vallée de Mirlok. En fait, la vallée de Mirlok est connue pour avoir énormément de cercles druidiques, et il y aurait un passage pour la féerie. Ok, attends. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les gars? Ok, merci. Alors, moi, je voudrais passer mes 9 jours à étudier l'herborisme, et notamment en ce qui concerne les poisons. Fais-moi ton test d'investigation, s'il te plaît. Alors... Putain, 5. Après, t'as dit 1 par jour. Hein. Ouais. Non, mais en fait, c'est juste que ça va te mettre plus de temps que prévu, en fait. Ah, ok, d'accord. Bon, là, j'ai fait 5, du coup. Mais tu vas, mais du coup, vas-y, relance-moi un dé quand même. Mais merde, sérieusement. Donc en fait, vraiment, tu vas prendre, ça va te prendre énormément de temps. Tu galères dans les études, c'est pas trop ton truc. Ah, c'est caracas quoi. Et ça te, en fait, tu vas prendre tes 9 jours là à étudier ça, mais tu te mets là du coup la maîtrise des kits d'empoisonneur. Ah, c'est pas pareil que le kit d'herboriste? Non, c'est un autre truc. D'accord. Merde. Allez. Moi c'est pareil, j'ai une question aussi. Vu que je suis un guerrier, bah, je suis toujours en quête de puissance, etc. Est-ce qu'il y aurait une technique chez nous les drakides qui permettrait de dépasser temporairement les limites et de se rendre plus fort quoi? Donc c'est vraiment la question que tu... Fais-moi un test d'investigation du coup. Deux. Enfin même pas, c'est un échec critique, parce que j'ai plus un. Et ben ça fait beaucoup les échecs critiques aujourd'hui. Ben, du coup, là en fait, c'est surtout que ça va te mettre énormément de temps de chercher, et tu vas rien trouver. Ok. Tu peux, t'as le droit à plusieurs d'autres questions, hein, Birlen. Ouais, ok, bon bah parfait alors, du coup, c'est ça que je voulais savoir. Comment formuler ça? Est-ce que je... Ça me semble qu'elle l'avait pas dit. Elle avait pas prononcé le nom de son espèce de Kiara, de d'entité qui l'a rappelé. Je vais juste parler de son patron. Elle avait pas prononcé son nom. Non. Non. Bah du coup, ce que je vais leur demander, c'est si une entité de féerie qui se concentrerait sur la cuisine, ça leur dit un truc? Fais-moi un test d'investigation. Ouais.
17. Alors tu vas trouver des trucs, tu vas trouver quelques textes en fait qui te parlent d'une espèce d'entité qui serait initialement inarchifée mais qui aurait été un peu corrompue, qu'on appelle le gourmand, qui serait du coup ouais, une entité qui passe à travers les plans et qui fait des pactes avec des occultistes pour en fait récupérer des ingrédients bien spécifiques pour en fait nourrir des personnes bien spécifiques. Donc c'est un peu le cuistot des archidiables et des dieux mauvais, tu vois. C'est une entité ouais, qui est assez balèze. Qui est crainte un peu partout dans plusieurs plans d'existence. OK. Ça marche. C'est bien. Est-ce que t'as d'autres questions, Myrène? Je suis en train d'y réfléchir. Est-ce que le nom de Kiara, ça leur dit quelque chose qui serait lié à Kiara? Non, tu vas rien trouver sur Kiara. De toute façon, il n'y a pas d'ouvrage sur Kiara en fait. Hein. Ouais, non, mais même si, ouais, je sais pas. Tu vas avoir quelques informations aussi sur la féerie, donc tu sais que c'est habité par des créatures sylvestres comme des elfes, des dryades, des satyres, des pixies, des esprits follets, ouais. Ainsi que des centaures et des créatures magiques comme des chiens esquiveurs, des dragons féeriques, des sylvaniens et des licornes. Il y a aussi des régions assez plus sombres hein, sur le plan féerique qui abritent des êtres maléfiques comme des guenaudes, des végétaux malades, des gobelins, des ogres et des géants. Ok. Bah, moi je vois pas quoi leur demander d'autre en fait, en vrai. Ni quoi chercher d'autre, je veux dire. D'autres petites infos puisque tu cherchais des portails. Tu sais aussi qu'il y a des. Donc il y a des pertes de mémoire, hein. Mais il y a aussi des distorsions temporelles. Ok. Donc c'est-à-dire que tu peux potentiellement passer genre un jour en féerie, tu reviens, bah, ça fait un mois, deux mois, trois mois, trois ans, ouais, cinq ouais. ans, dix ans. Ça dépend. Messieurs, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Sachant que non, vous deux, enfin du coup, Caracas et Carl, vous avez déjà posé toutes vos questions. Myrlène, oui. Si tu as une dernière question à poser? Non, moi c'est bon. Ok. Eh bien, dans ce cas-là, est-ce que vous voulez encore faire quelque chose à Château Suif ou est-ce que vous voulez partir en direction des îles Moonshae? Moi, je vais juste m'acheter un kit d'arboriste et un kit d'empoisonneur si possible. J'ai vu dans mon sac que j'avais des trucs à revendre. J'ai un truc à revendre. J'ai un truc à revendre, c'est des vêtements en soi. Alors. Bon, de toute façon, je te dirai combien ça coûte, hein. Et puis, si vous avez des trucs à vendre, vous me mettez sur un côté les trucs que vous vendez, je vous dirai combien d'or vous récupérez, d'accord? Ok. Ouais, bon, par contre, ouais, du coup, j'ai quand même acheté les kits. Et du coup, il n'y a que des arborestes, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autres potions spéciales, quoi. Tu veux acheter une potion? Ouais, mais une potion spécifique, quoi. Je vais te dire ce que tu vas pouvoir trouver comme potion. Donc ici tu vas pouvoir trouver tout ce qui est potion peu commune, commune et ouais. Potentiellement rare aussi. D'accord. Bon,
encore rare, tu vas avoir l'élixir de santé, l'huile éthérée, potion d'héroïsme, potion d'invulnérabilité, potion de clairvoyance, potion de diminution, potion de forme gazeuse, potion de lecture des pensées. Et voilà. Les potions d'invulnérabilité, c'est quoi? C'est pendant combien de temps l'effet? Alors, invulnérabilité. Après avoir bu cette potion, vous avez une résistance à tous les dégâts durant une minute. Ouais, donc tous les dégâts sont réduits de moitié. Pendant... Les dégâts réduits de moitié ou tous les dégâts immunisés? Non, résistance, donc c'est, ça veut dire que tous les dégâts sont réduits de moitié. Pendant une minute, donc 10 tours, c'est-à-dire quasiment un combat complet. Pourquoi c'est pas une unité totale alors? Non, c'est une résistance. Ouais, parce que j'ai potion d'invulnérabilité, donc ça peut... tendance à porter des fautes. Ouais, bien sûr, mais dans ce cas-là... Mais je comprends tout à fait. Merci de ton explication, parce que du coup, moi, j'aurais cru, tu vois, justement. Ah bah ouais, cette potion-là m'intéresse bien. 15 PO, du coup, pour les vêtements. Ok, et pour les kits, ça coûte combien? Alors, les kits... ça coûte 25 PO. Chacun? Ouais. Ok, donc moins 50 plus 15, ça fait 35 pièces d'or. Pas donné hein, les kits, putain. ouais, en même temps, c'est utile. Hein. Et du coup, combien la potion? Alors, attention, là, ça va monter. Hein. Alors... En fait... 1462, je crois. C'était quoi que j'avais trouvé? Je crois que c'est ça. Oui, j'ai une autre question. Est-ce que aussi je suis avec cette potion là, je suis invulnérable aux états? C'est-à-dire être charmé, etc. Machin. Non. C'est les dégâts physiques. C'est vraiment les dégâts physiques. Quoi. Ça va te. C'est 3000 PO. Je les ai pas. Hein. Mais 3000 PO. Ouais. Ah bah, pour une potion. Bah, est rare hein, les gars. Ah oui, bah oui, putain, oui. Mais non, cherche pas, mec. Après, tu peux t'acheter des potions peu communes. Hein. Ça te coûtera entre 100 et 500 pièces d'or. Ou communes. Ça te coûtera entre 50 et 100 pièces d'or. Et dans ce cas-là, les communes, il y a quoi la préparation? Alors, putain, les achats, les gars, la prochaine fois, je mets la liste et vous regardez ce que vous achetez. On n'a pas la liste. Ouais, vous allez sur ADD et vous l'avez la liste. Attends, je te montrerai après, t'inquiète. En peu commune et commune. Alors, nous avons. Alors, huile d'insaisissabilité, filtre d'amour. Potion d'agrandissement, potion d'amitié avec les animaux, potion d'escalade, potion de force de géant, potion de guérison, potion de poison, voilà, poison du coup, potion de résistance, potion de respiration aquatique et potion de souffle enflammé. Potion de résistance. La potion de résistance, ça te... Tu gagnes une résistance à un type de dégâts pendant une heure. Par contre, c'est au hasard. Soit je vais prendre... C'est au hasard avec un D10. Et force de géant? Et force de géant... On a dit qu'on était en peu commune, donc ta force passe à 21, je crois. Pendant une heure. Force passe à 21. Ouais. Actuellement, attends, je regarde, elle est combien de ma force, là? J'ai déjà une force de 19. C'est pas spécialement avantageux. Je vais mettre fin au live et on va relancer juste après. Et on va faire d'ailleurs une petite pause au passage.